Air Force One s'est posé mercredi soir sur la base aérienne de Mendenhall à l'est de l'Angleterre. Les États-Unis sont de retour, a déclaré Joe Biden en commençant sa tournée européenne. C'est le premier voyage à l'étranger du président américain depuis sa prise de fonction le 20 janvier. Joe Biden entame son voyage par le Royaume-Uni et une rencontre ce jeudi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson avant de participer au sommet du G7 qui aura lieu ce week-end dans la station balnéaire de Carnis Bay en Cornouailles. Le président américain et son épouse seront reçus dimanche par la reine Elisabeth II avant de s'envoler vers Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Le point culminant de la tournée européenne de Joe Biden aura lieu mercredi prochain à Genève, où il rencontrera en tête-à-tête Vladimir Poutine. Joe Biden a confié son intention de dire au président russe que les États-Unis et l'Europe étaient soudés.